Bonjour, aujourd'hui on va passer en revue une série de choses qui n'ont pas été dans les médias et qui pourtant auraient dû y être absolument parce que c'est avec ça qu'on peut comprendre toute une série d'enjeux stratégiques, économiques, sociaux, etc. On va commencer par Notre-Dame de Paris. Et euh, l'émotion a été très forte en France et euh, c'est tout à fait justifié, tout à fait respectable. J'ai deux trois remarques cependant. La première, c'est que on aimerait que lorsque des monuments d'autres continents, d'autres civilisations sont eux aussi détruits et d'une façon qu'on aurait pu éviter, il y ait autant de compassion et autant de démonstration de la part des dirigeants français et occidentaux. Ainsi, en Asie, les Bouddhas de Bamiyan ont été détruits par des terroristes soutenus, financiers, organisés au départ par les États-Unis. Et pour les bouddhistes en Asie, c'était une catastrophe. Mais l'Occident en a parlé, mais bon, ce n'était pas fondamental. Les ruines de Babylone, berceau de la civilisation et le musée de Bagdad que j'avais eu l'occasion de visiter lorsque je m'étais rendu. En Irak, peu avant la guerre. Ça a été occupé, pillé, vandalisé par une base des marines US pendant l'opération Bush 2003 et on n'y a absolument pas accordé attention. En Syrie, des dizaines d'églises catholiques et orthodoxes ont été incendiées et aussi par ces milices. Armée formée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et on n'y a donné aucune attention. On pourrait ajouter la grande mosquée al-Nouri de Mossoun, construite en 1172, et là aussi, euh, les Occidentaux sont, ont été accusés justement par euh, les euh, islamistes en, en Irak. Bref, il y a un peu de l'ethnocentrisme, il y a un peu. Euh, chez nous, c'est important. chez les autres, pas. mais il y a plus, plus important encore. à qui appartient notre-dame de paris? c'est pas à l'église, c'est à l'état. donc, c'est l'état français, dirigé par macron, qui est responsable de son entretien. et depuis des années, il y avait des morceaux d'arcades de gargouilles, vous savez, ces petits monstres effrayant euh, par lesquels l'eau s'écoule des toits. Tout ça tombait au sol et était conservé dans un dépôt improvisé à l'arrière de la cathédrale. Et c'est seulement l'année dernière que Notre-Dame a enfin obtenu un chèque de 2 millions pour restaurer la flèche qui est tombée. En fait, il y avait une guerre entre l'État français et l'Église et le personnel de Notre-Dame parce que euh, c'est une... Situation où l'État français gagnait 4 millions d'euros par an en faisant payer l'entrée des tours aux touristes, mais reversait seulement 2 millions d'euros pour l'entretien de Notre-Dame. Et le recteur de Notre-Dame refusait de faire payer l'entrée à la cathédrale, comme ça se fait par exemple à Milan et dans d'autres documents. Or, la cathédrale de Paris, c'est 70 personnes pour l'entretien, les messes, les surveillances des touristes, tout ça. Et donc... Quand on a euh, cette photo ici, c'est un grand comédien, hein? parce que ce qu'il est en train de se dire là, aïe, j'ai merdé, c'est ma faute si ça a brûlé. Et effectivement, bon, il n'est pas le premier. Sarkozy, Hollande, Macron, tous ces gouvernements sont responsables de ce qui est arrivé. Mais. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que il est malin et il a directement sauté sur l'occasion. Ah oui, on parle plus des gilets jaunes, hein. on va parle plus de ce grand débat où j'ai parlé tout seul et où je ne savais plus quoi dire par conclusion. Par sur de parenthèse, le barbu là à côté, il a fait quand même très fort. Euh, ils ont été complètement sourds aux gilets jaunes, ils n'ont pas arrêté de taper dessus, puis ils ont dit, ah, vous a entendu et il a tiré comme conclusion qu'il fallait baisser les impôts, et c'est pas ça qu'on lui a dit, hein. baisser les impôts encore des riches et des très riches, pour quoi faire, ça va pas amener de l'emploi, ça va pas du tout aider les pauvres, donc Édouard Philippe complètement sourd, il va en tirer, baisser les impôts, ben, baisser les services publics, et non, ce qu'on lui a dit, monsieur, c'est baisser l'exploitation, et donc, baisser l'exploitation de qui ben De Arnaud, de Bettencourt, de tous ces gens-là. Et là, on a eu une réaction extrêmement euh, hypocrite. Parce que on a eu Arnaud, Pinault, tous ces gens-là, qui se sont déchaînés à « on va euh, offrir 100 millions, non, bon, encore plus, 200 millions, etc. » C'est un peu indécent, non pendant des mois, on nous répète que les Gilets jaunes, des gens qui doivent vivre avec 600, 800, 1000, 1200 euros par mois, on leur répète qu'il n'y a pas d'argent. Et tout d'un coup, là, quand Notre-Dame de Paris brûle, ah oh, monsieur, on a trouvé plein d'argent, tout de suite. Donc, cyniquement, on pourrait dire si les Gilets jaunes avaient été une cathédrale, ben, ils auraient été aidés depuis longtemps. En fait, il faut. Aller au-delà de cette soi-disant générosité. Il ne faut pas se dire, ils sont en train, sont en train de se racheter, c'est quand même bien, pas du tout. Euh, en fait, ils ont euh, choisi de faire un geste pour leur image de marque, justement parce qu'il y a la contestation des Gilets jaunes, parce que tout le monde trouve que c'est scandaleux l'écart riche-pauvre chez nous. Et donc, ils ont fait euh, un geste. Mais euh, depuis des mois, le gouvernement était en train de demander à des mécènes privés français de l'argent pour restaurer Notre-Dame, et ils ne trouvaient rien. Arnaud, Pinault trouvaient que ce n'était pas important. Là, quand le scandale éclate, ah oui, oui, vite, on va vous donner de l'argent. Donc en fait, il faut comprendre que ces métiers-là, Arnaud, Pinault, euh, les gens de l'industrie du luxe qui se vendent énormément, on en parlera un de ces jours, hein, ils font des affaires en or. En vendant des trucs à des prix déments. Mais justement, comment est-ce qu'on vend du luxe qui vaut pas ça On le vend par la pub, par le marketing, en jouant sur l'émotion. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait, Arnaud Pinot. C'est leur métier de vendeur. Jouer sur l'émotion. D'ailleurs, le slogan publicitaire de L'Oréal, à un moment donné, c'était vendre du rêve. Bien. Et donc, on est là en train, à mon avis, du cynisme total. On est en train d'instrumentaliser la détresse populaire, on est en train d'instrumentaliser l'émotion des gens pour la transformer en quelque chose de bénéfique pour euh, ces gens-là. Ces gens-là, euh, Arnaud, Betancourt, j'en ai parlé dans ce livre, pourquoi Soral Sédui, ce n'est pas le titre que j'aurais dû donner au livre, parce qu'en fait, ce livre est mon analyse globale du, du capitalisme, du système capitaliste. Et vous avez là, page 56. L'explication, comment Arnaud est devenu riche euh, et par quel procédé d'exploitation, évidemment par l'aide de gens comme Macron et compagnie. Vous avez la même chose sur euh, Bettencourt, de trois pages plus loin, sur le groupe L'Oréal, des gens qui nous vendent euh, trop cher toutes sortes de produits et accumulent des fortunes en, en exploitant euh, les gens, en exploitant leurs travailleurs. C'est ça que j'explique dans le bouquin. Et je crois que c'est ça qui est absolument fondamental de comprendre avec cette histoire. D'où vient la richesse Pourquoi il leur en faut toujours plus Quelles sont les règles économiques qui organisent ce système et qui mettent au pouvoir une telle immoralité et un tel cynisme Je crois que c'est ça euh, la leçon à retirer de ce scandale autour de Notre-Dame. Triple scandale. Bien. Euh, Aujourd'hui, donc, on va parcourir une série de, de sujets d'actualité. Je vais passer au Sri Lanka et au. Attentats atroces qui a eu raison là. On me demande de parler de Julien Assange, oui, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Euh, un homme d'affaires algérien qui a offert 50 millions euros d'euros. Bien, il faut savoir d'où il vient, comment il a gagné tout ça. Euh, et voilà, on me dit que la cathédrale, l'architecte est passé chez Puzadas et affirme qu'avant son départ, tout avait été checké. Euh, bien, on se pose des questions, c'est légitime. Moi, je me base sur les documents que j'ai. Euh, il y avait un entretien qui devait être prévu. Notre-Dame était pas bien entretenu, et voilà, l'État est en faute, l'État français est en faute, je crois. Euh, à propos du Sri Lanka, on a eu cette nouvelle des attentats épouvantables qui ont frappé ce pays. C'est un pays qui est peu, peu connu. On en parle très peu ici, et ce qu'on trouve dans les journaux, ce sont des constats superficiels. Oui, que c'est horrible. Oui, qu'il y a euh, des tensions entre bouddhistes, musulmans, euh, chrétiens. Il faut aller au-delà de ça. Et dans le réseau international d'investigation, vous savez, on essaye toujours d'avoir des gens pour nous faire comprendre ce qui se passe dans euh, des pays où on n'a pas les moyens d'aller. Et dans ce réseau, il y a Jean-Pierre Page, un ami français qui vit au Sri Lanka avec sa femme, qui est très active dans la politique sri-lankaise. Et voici ce qu'il m'a écrit. Euh, L'origine n'est pas revendiquée. Dans l'histoire tortueuse du Sri Lanka, on a parfois invoqué ce genre de choses pour faire diversion et accaparer le pouvoir. La droite est coutumière de ça. Ici, il faut se souvenir des pogroms anti-Tamoul qui avaient permis l'état d'urgence et de reporter les élections indéfiniment et un pouvoir présidentiel. Il se fait, dit Jean-Pierre, que le Sri Lanka est à la veille d'élections, que la droite pro-US doit perdre en principe, et euh, qu'il y a une guerre entre Chinois et États-Unis et Indiens pour savoir qui va contrôler ce pays stratégique pour les uns et les autres, et qui va euh, pouvoir... Bon, c'est tout l'équilibre géostratégique de la région alors, je prends une carte de l'océan indien pour justement qu'on comprenne bien, parce que j'imagine certains d'entre vous ne savent pas où se trouve le sri lanka. eh bien, au milieu de ma carte là, l'île euh, au milieu en bas, sri lanka, elle est face à l'inde. et si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué dans, les, euh, dans un précédent michel midi consacré aux géostratégies internationales et au changement, euh, vous comprenez rien qu'à voir la position dans l'océan Indien, qui est le plus grand, le plus important actuellement océan pour le commerce mondial de la Chine et de l'Asie vers le Moyen-Orient, l'Afrique et même l'Amérique latine. Tout passe par là. C'est des routes commerciales que les États-Unis veulent absolument contrôler contre la Chine. Et vous voyez bien la position du Sri Lanka, elle est très spéciale. Elle est en face de l'Inde. L'Inde est poussée par les États-Unis contre la Chine. L'Inde, c'est le pion des États-Unis dans cette région. Et donc, la Chine qui a développé sa nouvelle route de la soie, justement, pour développer son commerce mondial et clairement pour l'emporter sur les États-Unis au point de vue économique et commercial, et pouvoir se développer, pouvoir sortir l'ensemble du pays de la pauvreté. La Chine a donc besoin pour ce, ce trafic maritime de ports en eau profonde. Les super containers ne peuvent plus arriver dans des petits ports à l'ancienne. Et donc, vous voyez très très bien que il a, la Chine a besoin d'un port en Birmanie, a besoin d'un port à Sri Lanka, puisque l'Inde n'est pas favorable. Et voilà, ce sont tous les pays dans lesquels surviennent des incidents. Voilà. Euh la position stratégique du euh, Sri Lanka est claire avec ça. Et je reviens deux minutes à, au témoignage de Jean-Pierre. Le gouvernement, dit-il, savait que ça se préparait. Le Premier ministre l'a reconnu. Il faut savoir qu'en 1983, il y a eu des pogroms anti-tamoul. C'est une minorité qui vit euh, euh, dans une de ces îles manipulé politiquement par la droite pour se maintenir en place à n'importe quel prix. Et le prix, dit Jean-Pierre, ce fut une guerre de presque 30 ans et presque 100 000 morts. C'était le même gouvernement et le premier ministre actuel en était le plus jeune membre. Ça rappelle, dit Jean-Pierre, d'autres choses en France, à Londres, à Madrid, à Bruxelles. Les terroristes n'ont pas laissé sur place leur carte d'identité, mais c'est tout comme. On ne peut pas faire abstraction du contexte dans lequel le, ce pays se vit. Et il cite dans sa lettre pour terminer, il cite l'écrivain français Octave Mirbeau au 20e siècle, début du XXe pardon, qui avait l'habitude de dire que s'il y a un paradis sur terre, c'était Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka. Et Jean-Pierre ajoute, il oubliait de dire que c'était aussi plein de diables qui voulaient punir les habitants de vivre dans ce pays si fabuleusement beau et riche d'histoire, de culture, de nature. Le problème, dit Jean-Pierre, c'est que nous connaissons qui sont les diables. Mais on ne s'y attaque pas comme on, de, comment on devrait le faire, et cela nous condamne à revivre toujours la même histoire régulièrement. Voilà un témoignage important qui permet de comprendre justement ben, ce qui ne va pas être dans, dans les médias. Alors, deux, deux petites infos très brièvement. Selon une dépêche au mois d'avril du ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zbidi, 13 individus de nationalité française, sous couvert, de sous couvert diplomatique, pardon, ont tenté de franchir les frontières tuniso-libyennes à bord de six voitures tout terrain et ont refusé de rendre les armes dont ils disposaient. Tiens, tiens, c'est des diplomates avec plein d'armes. L'ambassade de France a réagi dans un communiqué, ne dit rien sur la présence des armes et confirme qu'il s'agit de diplomates. Bon, diplomates ou euh, agents secrets, services secrets, en train de continuer à jouer un rôle d'encadrement de, de certaines milices contre d'autres. Il y a euh, toute une discussion sur ce qui se passe maintenant en Libye avec deux gouvernements, une offensive armée, qui soutient qui Les Français et les Italiens ne soutiennent pas les mêmes. Est-ce que ça veut dire qu'on se bat pour le pétrole libyen et que d'un côté il y a Total, de l'autre côté il y a ENI un de ces jours, on va essayer de prendre euh, la Libye comme sujet d'un prochain Michel Midi. Le problème, c'est que le sale jeu de la France et des États-Unis en Libye, en Syrie, ça continue. Bon, en Syrie, ils ont perdu la partie, ils n'ont pas réussi à installer leurs copains au pouvoir, mais on a maintenant. Alors que la population syrienne commence à revivre une vie normale, les bars, les restaurants ouvrent petit à petit, on veut tourner la page et on veut relancer l'économie. Et maintenant qu'ils ont aidé et financé des rebelles terroristes de Al-Nusra et de l'armée syrienne libre et de... Daesh indirectement, ce que je rappelle dans le livre euh, USA, les 100 pires citations, avec des citations de présidents, de Hillary Clinton et de ministres responsables ou de responsables des services de renseignement. On voit maintenant un changement de tactique et euh, aussi bien les États-Unis qui dirigent que l'Union européenne qui les suit on est en train de faire tomber le gouvernement de Damas par le jeu des sanctions économiques. Le but des sanctions économiques, on en a déjà parlé ici, c'est d'appauvrir le peuple pour qu'il se retourne contre son gouvernement. Et ça, c'est pour que le gouvernement soit remplacé, soit finisse par se soumettre aux intérêts de l'Occident. Dans l'administration Obama, les sanctions économiques, on appelait ça « silver bullet ». Les balles en argent. Donc c'est clairement une forme de guerre. Et quand Washington, Londres et Paris euh, sont en train de aggraver délibérément la pauvreté en Syrie, ils savent quand même bien que la pauvreté, les problèmes sociaux, c'est le terreau pour le terrorisme, et que si le peuple est englué dans la vie quotidienne et ne peut pas s'en sortir, ça va développer des mécontentements. Qu'un terrorisme peut utiliser. Donc il y a un jeu extrêmement cynique avec les sanctions et je pense qu'il y a des leçons à en tirer. Il y a des sanctions contre Cuba, il y a des sanctions contre l'Iran, il y a des sanctions contre le Venezuela, contre toute une série de pays. Je le répète, les sanctions c'est une forme de guerre et il faut absolument que nous euh, opposions à cette guerre non déclarée et tout aussi dangereuse, parfois même plus dangereuse, qui est menée en notre nom. Je regarde s'il y a des commentaires par rapport à tout ceci. Euh, oui, beaucoup de commentaires et d'encouragements. Merci. Euh, Shiki, oui. Les guerres stratégiques de la captation des ressources mondiales sont déguisées par l'habillage de l'affrontement des religions. Très euh, bon commentaire. C'est exactement ça. On va. Passé à l'Ukraine. Et là, vous avez euh, assisté sans doute comme moi à ce spectacle ahurissant d'un comique, le Coluche ukrainien, qui devient président. Le Coluche français avait essayé, puis il s'était arrêté pour des raisons spéciales. Et celui-ci est allé jusqu'au bout. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Son euh, challenger. Le milliardaire Poroshenko était le chouchou des États-Unis et de l'Europe. Il a reçu des milliards. Et au deuxième tour, il vient de faire royalement 27%. Il euh, n'y a jamais un président ukrainien qui a été élu avec aussi grand score que Zelensky. Et donc, la question, c'est pourquoi, euh, au lieu de réélire le président qui avait tous les médias et tous les pays étrangers à sa disposition, on réélit le type qui se moque de lui. C'est quand même un message fort. Et je rappelle ce que j'avais dit précédemment. Les médias n'expliquent pas ça parce qu'ils ne disent rien sur ce qui se passe actuellement au point de vue économique et social. Au point de vue économique et social en Ukraine, on peut résumer ça par trois chiffres. Un, il y a 44 millions d'habitants. Deux, le salaire euh, moyen a baissé et il est à 345 euros par mois, de sorte que la population pauvre a augmenté de 15 à 25%. Et résultat, vous avez plus de 11% qui sont obligés de travailler à l'étranger. Et généralement, c'est justement des gens qui ont des professions, euh, d'abord c'est des jeunes, euh, des hommes et des femmes, en âge de faire des enfants, et qui ont des professions intéressante au point de vue scientifique, technique, au point de vue économique, etc. Donc voilà une situation très euh, significative en, en Ukraine. Voilà euh, des choses dont on ne parle absolument pas. Et de ça aussi, il y a des leçons à tirer. L'Ukraine a été le théâtre d'une révolution colorée en 2004 qui a échoué, donc le CIA qui finance une tentative de coup d'État. Puis il y a eu un vrai coup d'État très violent s'appuyant sur des nazis en 2014. Et est-ce que ça a amélioré d'un cent la vie des gens là-bas Non, pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout de ça que les États-Unis et l'Europe se préoccupent. Ils voulaient uniquement avoir une étape en plus pour encercler la Russie avec l'OTAN. Donc, voilà, il y a des leçons à en tirer, les révolutions colorées, les coups d'État, mais d'Insia ça ne sert à rien pour la population. Deux, l'humour, ça peut être quand même une forme importante de résistance. Et troisièmement, il faut pas se dire que maintenant tout va changer. Bon, Zelensky a dit une chose intéressante, c'est qu'il allait euh, discuter avec la Russie, essayer de mettre fin à l'état de conflit ça serait une bonne chose. Est-ce qu'il le pense sincèrement D'un autre côté, son proche conseiller a dit qu'il fallait absolument adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc, il faudra quand même choisir à un moment donné, ou bien une Ukraine indépendante et neutre, ou bien elle est alignée sur Washington et Paris. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Et donc, dans l'affaire Poroshenko-Jelinski, je me dis qu'on a peut-être affaire à ce que Gramsci, le théoricien marxiste italien des années 20 et 30, nous avait expliqué. La crise est tellement forte, disait-il, à un certain moment dans le système capitaliste occidental, que la classe dirigeante traditionnelle, qui a un personnel nombreux et entraîné, change de mode de programme et récupère le contrôle qui était en train de lui échapper avec plus de vitesse que ne peuvent le faire les classes subalternes, il veut dire les classes exploitées et dominées, les classes ouvrières, etc. Et donc, dit Gramsci, la classe dirigeante traditionnelle fera s'il le faut des sacrifices. Et elle fera plein de promesses démagogiques, mais elle maintient son pouvoir, elle change juste le personnel, et voilà. Donc, c'est important de, de tirer les leçons de cette affaire-là, d'autant plus que des révolutions colorées ou des coups d'État euh, dans des pays, bien, les États-Unis continuent à en préparer toute une série. Et donc, on va maintenant se poser la question par rapport au Soudan. Au Soudan, on a eu ce monsieur-là, euh, Abdel Fattah Al-Burhan, qui a euh, mis de côté le président El-Béchir, qui n'était pas forcément un ange, ça c'est bien évident. Mais toute la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il va faire Il y a eu de grandes manifestations populaires. Euh, on sait que les États-Unis euh, souvent utilisent et manipulent ce genre de manifestations pour amener euh, leur marionnettes au pouvoir. J'avais dit que El Béchir ne plaisait pas aux États-Unis et à Israël parce que il essayait de garder une politique indépendante justement par rapport à ce bloc. Il essayait de se réconcilier avec les États sécessionnistes du Sud. Il essayait d'avoir une politique indépendante. Et donc il y a une chose qu'il faut faire remarquer à propos du nouveau chef du euh, Soudan, c'est que si vraiment c'est une révolution populaire euh, et que on veut le bien du peuple, pourquoi va-t-il a-t-il insta instauré pardon l'état d'urgence C'est pas euh, très encourageant. Alors il faut savoir aussi qui est ce bonhomme, euh, Al-Bourhan. En fait, c'est le responsable de l'implication des soldats euh, soudanais dans la guerre au Yémen. Parce que vous savez que l'Arabie saoudite, soutenue, financée par les États-Unis, mène euh, une guerre, une sale guerre au Yémen. Et ce qu'on dit moins, c'est qu'elle est menée beaucoup plus par des soldats d'autres pays, notamment des soldats soudanais. Et le bonhomme qui a décidé de lancer les troupes soudanaises là-bas, et un grand nombre de soldats et d'officiers soudanais ont été tués et blessé au Yémen, et ça a fait partie aussi du mécontentement populaire. Madame Lom, c'est le général qui a pris le pouvoir, celui que j'ai montré là. Et euh, c'est quand même embêtant qu'immédiatement, le royaume saoudien a déclaré son soutien aux démarches de, du Conseil militaire de transition et à ce monsieur Al-Bouran. Donc le problème, c'est que l'Arabie saoudite humanitaire, c'est une bonne blague, ils ont envoyé un colis. Avec, ils ont envoyé col humanitaire, c'est le mot avec des médicaments, des produits pétroliers et du blé. Mais au lieu de faire ça, il ferait bien de cesser de faire la guerre et de plonger euh, le Yémen dans une situation humanitaire catastrophique. Donc zéro confiance aux saoudiens et euh, grosse méfiance, on va voir si ce bonhomme là va vraiment transmettre le pouvoir au civil et va laisser le développement d'un pouvoir populaire. Euh, pour comprendre l'histoire, j'ai dit qu'il y a des troupes soudanaises en, euh, au Yémen. Et vous vous dites, ceux qui ont des notions de géographie, tiens, le Soudan, c'est vraiment très loin du Yémen. Oui, effectivement. Voici une petite carte également qui vous montre que le Yémen, il est là au milieu, juste en dessous de l'Arabie saoudite. C'est une base militaire qui contrôle le passage du Moyen-Orient vers l'océan Indien que nous avons vu déjà tout à l'heure et vers l'Asie. Et donc le Yémen, vous voyez bien que l'Arabie Saoudite est juste à côté et les Saoudes qui sont le régime le plus réactionnaire et le plus détestable de la planète ne voient pas d'un bon œil l'idée qu'il y a une révolution populaire au Yémen et donc ils essayent de le contrôler entièrement. On parle aussi, je euh, ne peux pas vérifier de gisements importants au large du Yémen. Bien. Mais le Soudan, vous allez me dire, il est très loin. Ah oui, si vous regardez sur la carte, le Soudan, il est très loin entre le Yémen. Il y a l'Érythrée, puis il y a le Soudan. Et donc le Soudan, c'est un pays africain. Il n'a pas d'intérêt stratégique personnel dans le Yémen. Donc vraiment, le Soudan, là, sert de pion des Saouds dans le contrôle de la région. Et tout ça, ça veut dire que il faut vraiment se se méfier de la manière dont on nous couvre ces phénomènes sans nous expliquer les raisons stratégiques des uns et des autres, sans nous expliquer les intérêts économiques et sociaux. On nous montre vraiment euh, des choses superficielles qui ne permettent pas de comprendre les, euh, les, euh, les enjeux locaux. On me fait remarquer que silver bullet est une expression qui veut dire solution magique. bien merci pour la petite correction. Euh, pensez-vous qu'une guerre entre l'iran, le hezbollah et israël, les usa et les pays sunnites peut arriver prochainement? oui, c'est clair que israël ne voit de solution à son isolement que dans une guerre contre l'iran et ses alliés oui, et en même temps, les militaires israéliens, ça j'en ai déjà parlé, savent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre, même contre le hezbollah. et donc, euh, c'est pas... on ne peut pas répondre si les guerres vont avoir lieu. moi, je réponds toujours. ça dépend de nous. ça dépend de la mobilisation pour la paix. Euh, voilà. Euh... maintenant, je voudrais vous prendre un dernier... Dernière info qui ne vous est pas du tout passée et qui me semble important, c'est euh, à propos du président, l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Il a rencontré euh, le président Trump, l'actuel. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça dans vos journaux et à la télé, moi pas en tout cas. Or, la conversation qu'ils ont eue est ultra importante. Et donc, je vais vous lire des extraits. Euh, il avait été invité à la Maison-Blanche par Trump pour lui parler de la Chine. Vous savez que la Chine préoccupe énormément Trump, qui a déclenché une guerre commerciale, qui essaye d'empêcher la Chine de se développer économiquement, de se renforcer et de contester la suprématie, l'hégémonie mondiale des États-Unis. Bien. Et la conversation de Trump, qu'il a racontée lors d'une assemblée baptiste en Géorgie où il vit, elle est très intéressante, on va la voilà, publier un de ces jours sur InvestiAction. Tout le, tout le texte est intéressant, mais je prends cet extrait. Vous craignez, euh, dit Carter à Trump, vous craignez que la Chine nous passe devant, et je suis d'accord avec vous. Mais savez-vous que la Chine est en train de nous dépasser? Savez-vous pourquoi? J'ai, moi, président, normalisé les relations diplomatiques avec Pékin en 1979. Depuis cette date, dit Carter, savez-vous combien de fois la Chine a été en guerre Pas une seule fois. Et nous, États-Unis, nous sommes constamment restés en guerre. Les États-Unis, dit Carter, sont la nation la plus belliqueuse de l'histoire du monde parce qu'ils désirent imposer les valeurs des États-Unis aux autres pays, les valeurs ou les intérêts des La Chine, dit poursuit Carter, la Chine, elle, investit ses ressources dans des projets tels que les chemins de fer à grande vitesse au lieu de les consacrer aux dépenses militaires. Combien, poursuit Carter, de kilomètres de chemins de fer à grande vitesse avons-nous dans ce pays Nous avons gaspillé 3 000 milliards de dollars en dépenses militaires. La Chine, dit Carter, n'a pas gaspillé un centime pour la guerre et c'est pourquoi elle est en avance sur nous dans presque tous les domaines. Si nous avions pris 3 000 milliards pour les mettre dans les infrastructures américaines, nous aurions un chemin de fer à grande vitesse. Nous aurions des ponts qui ne s'effondrent pas. Nous aurions des routes qui sont maintenues correctement. Et notre système éducatif serait aussi bon que celui de la Corée ou de Hong Kong. On pourrait ajouter cette phrase de Carter à Macron, peut-être. Et si nous n'avions pas mis tout notre argent dans la guerre et les cadeaux aux riches, nous aurions des cathédrales qui ne s'effondrent pas. Bien. Mais pour revenir à cette histoire du militarisme aux États-Unis. En fait, pour le comprendre, là aussi, il y a trois chiffres très importants. Les dépenses militaires des États-Unis, c'est 45% de toutes les dépenses militaires dans le monde, et beaucoup de ces dépenses militaires sont gonflées. La Chine, la Russie, etc., dépensent énormément en armement parce que les États-Unis le font. Donc, c'est la course aux armements lancée par les États-Unis les États-Unis disposent d'environ un millier de bases militaires déclarées et non déclarées dans le monde. Un millier de bases militaires. Et cette politique étrangère des États-Unis, depuis 1945, a provoqué 20 millions de morts. 20 millions de morts. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi documenté dans USA, les 100 pires les crimes dont on ne nous parle pas. Alors je crois qu'il y a des leçons très intéressantes à tirer. C'est dommage qu'on ne nous ait pas... Dit ce message de Carter, parce qu'il flanque complètement par terre tous les justificatifs, pas tellement de Trump, les justificatifs de tous les présidents qui ont suivi Carter. Ce n'est pas un ange, j'en parle aussi dans le bouquin que j'ai mentionné, mais en tout cas, ce n'était pas un président militariste et va-t-en-guerre, et je crois que ça, c'était exceptionnel. Après lui, on a eu Reagan, qui a développé la course aux armements pour faire tomber l'Union soviétique, ça a réussi, on a eu Bush-Père qui a attaqué l'Irak en 1991. On a eu Clinton qui a attaqué la Yougoslavie et qui a fait exploser le budget militaire des États-Unis. On a eu Bush-Fils, je ne vais pas vous faire le portrait de toutes les guerres qu'il a lancées. On a eu Obama qui a poursuivi, en fait, avec d'autres méthodes, les guerres de Bush. Pas du tout il arrêté ces guerres. Et il a lancé la guerre contre la Libye et contre la Syrie. Donc, il faut se poser la question, alors pourquoi Trump On voit bien qui sait, a reçu Carter. Eh bien, dans ce livre-là, Le monde selon Trump, je vous avais, avec mon collègue, mon jeune collègue Grégoire Lallieu, apporter des informations pour réfléchir au moment où Trump venait d'être élu, pourquoi il avait été élu, est-ce qu'il y avait une différence avec les autres, est-ce qu'il allait pouvoir tenir certaines des déclarations électorales qu'il avait faites je rappelle que Trump avait dit la guerre en Irak, c'est pas une bonne chose, on n'aurait pas dû y aller. La guerre en Yougoslavie, pareil. La guerre en Libye, pareil. Alors, évidemment, on pouvait se demander s'il était sincère ou si c'était juste une campagne électorale, mais il y avait des éléments pour dire que Trump avait d'autres visions stratégiques que celles des stratèges qui avaient dominé les années Bush et Obama. Et que ces visions stratégiques étaient justement qu'il fallait mener la guerre économique contre la Chine, que pour ça il fallait dépenser moins euh, aux armements, qu'il fallait moins faire la guerre. Et donc dans ce livre, on se posait la question, est-ce que vraiment Trump va avoir le pouvoir de changer la politique des États-Unis La réponse est arrivée assez vite et on a vu euh, tous les gens autour de lui, le vice-président, les ministres, etc. Et la CIA le contrôlait pour continuer la politique guerrière partout où les États-Unis pouvaient le faire. Et on a vu aussi toute la pression de ce deep state, de cet état profond, pour obliger Trump à revenir dans le rang et à faire la même chose. On, ça pose beaucoup de questions cette histoire de, de Carter à Trump. Et il faudra qu'on fasse aussi un prochain Michel Midi sur le déclin des États-Unis, toute cette politique contre la Chine, vous avez vu cette histoire de, la, du téléphone Huawei, là, et de son CEO qui a été euh, euh, arrêté. Euh, Qu'est-ce que ça cache, évidemment euh, Pourquoi est-ce qu'on dit les Chinois, ils vont espionner nos téléphones Tiens, la NSA pas, peut-être. Et donc, euh, c'est une histoire intéressante sur laquelle il faudra... Revenir, je vous regarde si vous avez d'autres questions qui vous sont euh, posées. Quels médias conseillez-vous de regarder Il n'y euh, a pas un média qui va vous informer sur tout ça. Euh, Invité Action est là pour ça. Le Grand Soir est un très bon site en France. Pour ceux qui comprennent les États-Unis, vous avez Counterpunch, net, euh, Truthout vous avez toute une série de, de sites intéressants. En Espagne, il y a Rebellion. Euh, mais on n'a pas les moyens, effectivement. Euh, il faut construire une euh, très grande info. Joël euh, dit, je pense que la Chine est ou deviendra aussi dangereuse que les États-Unis. Euh, il faut voir. Il faut euh, voir que c'est ce qu'on nous raconte énormément maintenant. Mais euh, quels médias nous informent sur ça Est-ce que la Chine fait des guerres et agresse d'autres pays ou est-ce qu'elle mène une politique de coexistence pacifique entre des systèmes différents on va, on va revenir sur euh, ces questions. Je ne peux pas traiter ça euh, en deux secondes. Euh, Quelqu'un lui répond non. Je crois que la Chine n'est pas belliqueuse. Aucune guerre n'a été déclarée. Donc, euh, je crois que le constat de Carter est correct. Voilà, voilà. Euh, on pose des questions sur la Turquie, sur une série de problèmes. Bien. Euh, N'hésitez pas à envoyer vos questions à... Michel Midi. J'essaierai je, de les traiter dans la mesure des possibilités ou d'inviter les gens qui peuvent nous éclairer sur ces problèmes. Quelles leçons peut-on tirer de ce que je vous ai montré aujourd'hui Il y a vraiment beaucoup d'infos qui me manquent. J'aurais pu en, en prendre toute une série d'autres, mais on aurait passé toute l'après-midi. Et donc, chacune de ces infos que je vous ai données n'est pas facile, n'est pas, pas difficile, pardon. À trouver donc toute la question c'est pourquoi ça n'est pas dans les médias traditionnels mais bon on a pas la réponse à cette question si on l'a mais on va pas la répéter et donc la leçon à en tirer c'est plutôt pour nous je crois que vous avez un rôle je le dis toujours très important pour apporter ces informations aux gens autour de vous donc leçon 1 parlez-en sont deux, formez-vous, discutez autour de vous et pour ça il faut se former, il faut maîtriser les, les sujets. J'ai présenté là aujourd'hui quelques livres. Euh, ces livres sont euh, la manière de financer les salaires des jeunes journalistes euh, qui font partie de l'équipe Investi Action. Il nous en faudrait plus. Il faudrait plus de journalistes pour tester les médias, il faudrait plus de journalistes pour. Euh, Présenter comme ceci les infos qui ont été cachées et pourquoi. Et voilà, donc euh, si vous pouvez vous procurer euh, ces livres qui euh, maintenant on a réduit nos frais de port et vous pouvez aussi dans nos différents dépôts aller les chercher sans frais de port, c'est une manière de euh, nous soutenir, c'est une manière de vous former. Et voilà. Euh, les, les recommandations que je peux faire sur ce plan-là. Euh, on va prendre congé. Euh, je signale que pour ceux qui habitent en Bretagne, je serai vendredi 26 à Saint-Brieuc à l'université, au campus Mazier, pour une conférence débat Israël-Palestine, enjeux et perspectives. Je signale que le 4 mai à Paris, Investigation organise un grand débat médiabolisation des Gilets jaunes avec Boulot, Charvin, Chouard, Ludowski et des ateliers médias participatifs. N'hésitez pas à nous écrire via Michel Midi pour aider à mobiliser, ça c'est très important, et pour aider à remplir les différentes tâches. Euh, bientôt, on va reparler de Julian Assange. Suivez les infos en vous inscrivant sur notre newsletter. Il est très probable que la semaine prochaine, avec Étienne Chouard, on reparlera de, des médias, de la diabolisation de Julian Assange, des Gilets jaunes, etc. Euh, je vous informerai rapidement pour, euh, pour ça. Et la semaine prochaine, je vais traiter. Euh, un tout autre sujet, ce sont euh, les boulots de merde, les jobs pourris, euh, Deliveroo, Uber, les, euh, les jeunes qui livrent les, les repas à vélo et tous les jobs qui sont à la mode maintenant euh, et les conséquences que ça a. Pour ça, j'aurai avec moi un syndicaliste belge de choc, Martin Willems, euh, permanent syndical à la, C... la CNE, qui s'occupe. De ces questions et qui suit ça. Et il va nous expliquer pourquoi ces boulots, euh, comment ça se fait qu'ils se développent, quelle est l'arrière-pensée derrière ces boulots-là, parce qu'il y a vraiment une stratégie et quelles sont les conséquences pour l'ensemble des travailleurs et comment aussi on peut y résister parce que rien n'est inexorable. Donc avec Martin Willems, mardi prochain dans Michel Midi. Voilà, je vous dis au revoir, je vous remercie pour votre attention. Pour votre participation à Investir Action, à la semaine prochaine.